Il était une fois, dans l'ancien village de Umuede. Une épidémie s'est emparée des habitants, que l'on appelait Ndorb. Tous les efforts pour trouver un remède et traiter la source des oracles et médecins étaient vains. Les villageois souffraient et mouraient en cascade. La mort veut emporter mon enfant. La mort veut emporter mon enfant. Mon enfant, qu'est-ce qu'il se passe? Mon enfant, qu'est-ce qu'il y a? Enseignant de mathématiques du primaire, croyait fermement qu'à l'instar de tous les problèmes mathématiques, tout est fait à une cause. Et pour chaque problème, il y avait une solution globale. Il avait donc décidé de tout mettre en œuvre pour découvrir le remède pour sauver le village. Il passa de nombreux mois dans la forêt à réaliser plusieurs expériences. Et un jour... Oui, ça a marché. Et voilà le remède. Je l'ai découvert. J'ai découvert le remède contre cette maladie. Et... je l'ai découvert. Oh oui, j'ai réussi. Je l'ai fait. Oh oui, oh oui. Ouais, ouais. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, j'ai réussi. J'ai trouvé le remède. J'ai trouvé le remède contre ce fléau. Les habitants d'Odoumoudou sont finalement sauvés de cette vilaine maladie. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai vaincu la maladie. Oh, j'ai réussi.
Oh, mon amour. Oui, chérie. Comment vas-tu? Je vais bien. Et mon garçon? Il va bien. Mon amour. Qui a-t-il? C'est incroyable. Ah, quoi? Je n'en croyais pas mes yeux. Ah, je l'ai découvert. Oh, découvert quoi? Mais que s'est-il passé? Quoi d'autre? Si ce n'est ce sur quoi j'ai mené des recherches pendant 10 longs mois dans la forêt, je te dis. J'ai découvert le remède à cette foutue maladie mortelle qui décime depuis notre communauté. Je te le dis au... Tu dis quoi? Chérie, mon Dieu, hein, dis-moi que je ne rêve pas. Non, 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 ma chère, tu ne rêves pas du tout, hein? C'est réel. Oui, chérie, j'ai emporté un échantillon du virus dans la forêt. Et cet échantillon a été détruit par toutes les herbes que j'ai utilisées. Ezioku. Oui. Ah. Ah, j'ai finalement réussi mes recherches. Je viens de réaliser une très grande percée. Oh. Et maintenant, notre village sera débarrassé du virus et notre peuple pourra vivre encore. Allez, viens. Le roi doit être informé de cela immédiatement. Non, non, attends une minute, chérie. Hein? C'est à moi de te célébrer d'abord. Hein? Suis-moi dans la chambre. À vos ordres. J'ai réussi, j'ai réussi. Merci, mon Dieu. Tu ne le crois pas? J'ai réussi. Écoutez, monsieur. Cette maladie qui détruit la vie des habitants de ce village est assez grave pour plaisanter avec. Votre Majesté, je suis désolé, je ne joue pas avec... Je suis sérieux. Monsieur, connaissez-vous le docteur le plus expérimenté de toute cette ville? Oui, Votre Majesté, Ojadike. Même lui n'a pas pu trouver un remède à cette maladie qui détruit les vies des habitants de ce village. Encore moins... un simple et ordinaire enseignant de maths de primaire comme vous. Et vous pensez que je suis aussi crédule? Votre Majesté, bien que je sois un simple et ordinaire enseignant de maths du primaire, j'ai néanmoins une très grande passion pour ces choses qui m'a vraiment poussé à trouver un remède pour cette maladie mortelle qui décime notre peuple. J'ai réussi! Nous n'avons rien à faire avec votre passion! Nous voulons plutôt un remède contre la maladie qui nous crée des problèmes en décimant notre peuple. Le gouvernement a promis nous envoyer des médecins qualifiés de l'Angleterre qui pourront venir à notre aide. Votre Majesté, cela ne sera pas du tout nécessaire car j'ai trouvé le remède et je suis convaincu que cette découverte, nous l'avons. Nos populations sont libres, oui. Stupide. Hein? Rêver debout est une mauvaise habitude. Oui. Votre Majesté, croyez-moi, je peux prouver ceci. Oui, je peux le prouver. Écoutez, je n'aime vraiment pas qu'on me perde le temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Dehors. Dehors. Il m'a traité de simple enseignant de mathématiques du primaire. Et il a même dit que je rêvais debout, tu vois. Ah, mes chéris. Ne t'inquiète surtout pas. Mon chéri, écoute-moi. Tu vois, va juste de l'avant et guéris toutes ces personnes affligées. Tu verras. Tu as bien compris? Mais dis-moi, pourquoi il n'a même pas voulu tester au moins le produit? Il a juste condamné mes efforts. 10 longs mois de recherche pour essayer de trouver un remède contre la maladie qui décime mon peuple. Et lui, notre roi, il ose me dire que moi, je perds son temps. Ah, ça c'est de la méchanceté ça. Ça me met hors de moi. Très bien. Cette même bouche qui t'a condamné toi te remerciera sûrement de ses jours. Tu verras toi-même. Pourquoi le bébé est devenu si calme? Je suis sûre que le bébé n'est pas du tout content de tout ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Attention, attention.
Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Le petit déjeuner est prêt. Ah, Dima, merci beaucoup pour le petit déjeuner. Je dois rapidement m'éclipser. Très bien, madame. Sa majesté a fait venir une assistante. Très bien. Celle-ci. Ekema. Bonjour, madame. Dja-dja. On se retrouve encore? Oui. Non. La dernière fois que je passais, je vous ai vu là-bas. Je ne vous demande pas d'argent ni de nourriture. Je cherche un travail. Mais tu ne m'as pas dit qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Non, je veux un travail. Je ne demande pas autre chose. Quelles sont tes qualifications? Et? Ah, dis-moi. Qu'est-ce que tu as appris à l'université? Ou le métier que tu as appris? Je n'étais qu'un petit garçon qui faisait que le jouer avec ses amis. Ah! Tu es en train de dire que tu es en classe 3? 3 comme ceci? Oh, je suis encore en classe 2. Quelle est ton école? Je n'ai pas d'école. Pas d'école. Quel est le genre de boulot que tu veux faire? Le type de travail où on peut jouer avec ses amis. Et où sont tes parents? Dis-moi. Pourquoi vous me demandez ça? Je ne demande que du travail. Vous voulez me rendre malheureux. Très bien, j'ai compris. Très bien, très bien. Je suis désolée. J'ignorais que cela allait te choquer. Pardon, je ne vais plus te poser de questions. Compris? C'est compris? Allez, viens. Viens avec moi. Viens. Salut, chérie. Comment va mon amour? Bébé, je crois que nous avons déjà parlé de ça. Oh, calme-toi, chérie. Ne fais pas cette mine-là. Assieds-toi. Je t'ai bien dit de ne plus venir à mon bureau. Les heures de boulot ne marchent pas avec le plaisir. On peut toujours se voir après le boulot. Alors notre amour est conditionné maintenant, c'est ça? Cet endroit est destiné juste à une chose. Boulot. Alors va-t'en, je te verrai après. Chérie, quand? Je ne t'ai pas vu depuis 3 jours maintenant.
Tu m'as manqué. Ce n'est pas le cas pour toi. Chérie, sors. Fais vite. Chérie, écoute, essayons de discuter, s'il te plaît. D'accord. Mais s'il te plaît, la porte. Madame Adaogo, je pense savoir quel est le problème de Jaja. Jetez un œil à ceci. Voici un extrait de la radio du crâne. Regardez, regardez, là. Cette marque-là, regardez bien, juste en dessous du trait. Cette marque apparaît en général comme le résultat d'un choc au niveau du cerveau. Docteur, je ne pense pas qu'une telle chose lui soit arrivée. Je n'ai pas vu de cicatrices sur sa tête. Si, il y en a, madame. Vous voyez, il a dû avoir un choc au niveau de sa tête quand il était petit, vous comprenez? Qui a donc causé de sérieux dégâts au niveau de cette partie du cerveau? Ce qui est la cause de cette faible capacité mentale. Docteur, y a-t-il un remède? Vous voyez, je vais devoir le conduire chez un spécialiste qui, à son tour, fera quelques examens approfondis et d'autres tests qui pourraient éventuellement conduire à une opération, madame. Mais écoutez, madame, je serai vraiment franc avec vous. En cas d'opération, il y a peu de chances qu'il survive. Vous voyez, au cas où l'opération échouerait, le système corporel entier sera paralysé, ce qui pourrait éventuellement le conduire à la mort. La mort? Maman, j'ai fini. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Tu dois dire merci. Merci. Mon enfant. Va te laver les mains. Tu ne dois pas te suer les mains avec les habits. Je veux laver mes mains demain. D'accord, j'ai nettoyé la chambre et fait ta couchette. Quand tu seras prêt à aller dormir, tu vas dans ta chambre, hein? Je veux aller. Partir là-bas. Où veux-tu aller? Où veux-tu aller cette nuit? Pourquoi tu veux savoir où je m'en vais? Oui. Mais tu m'as dit que tu viendrais avec moi au magasin. Demain, tôt le matin. Je veux partir. Jaja, au moins, dis-moi où est-ce que tu veux aller. Dis-moi. Chérie, je reconnais que ton boulot est très important. Mais il ne peut pas être plus important que notre mariage. Jax, c'est ainsi que tu m'as connu avant que nous soyons ensemble. Alors, pourquoi tu essaies de changer maintenant? Tu viens juste de m'appeler Jax. Chérie, c'est une erreur, désolée. Je suis désolée, chérie. Très bien, ça va. Quand est-ce que nous irons voir Sa Majesté pour discuter de notre mariage? Mon père veut en réalité un mariage royal, ce que je ne veux pas réellement. Pourquoi? Écoute, chérie, tu es une princesse. Et donc, personne ne pourra faire quelque chose, ou même toi, pour changer cela. Très bien. Excuse-moi. Es-tu sûr que tu ne commets pas une erreur?
Ce n'est pas du tout facile de s'occuper d'un homme malade comme celui-ci. Oh! Écoute-moi. Jaja n'est pas fou. Il souffre juste d'un petit problème au niveau du cerveau. Le médecin du village vient juste de me le confirmer. Ok. Et le plus dangereux, tu ne sais même pas d'où il vient. Mon petit doigt me dit que il est l'un de ses enfants abandonnés par leurs parents à cause de leurs mauvaises conditions. Et tu vois, ma sœur, comment c'est difficile de le prendre chez toi juste comme ça. Hein? Un individu que tu n'as connu qu'aujourd'hui. Et tu ne sais même pas où il va chaque nuit. Hein? Tu l'héberges. Ma sœur, tout ce qui arrivera sera la volonté de Dieu. Figure-toi que je l'avais vu dans mon rêve, en train de mendier. Je lui ai donné tout ce que j'avais sur moi. Mais il a refusé de le prendre. Juste pour que je comprenne qu'il ne voulait simplement que de l'eau à boire. Et je me suis réveillée soudainement. En sortant de la maison, j'ai aperçu le même garçon. Et depuis, je suis convaincue que Dieu veut que moi, je vienne à son aide. Est-ce que tu vois clair? C'est bien pourquoi tu dois suspecter que le garçon est un fantôme. Non. Ma sœur, fais attention. Les temps sont très dangereux. Je t'aurais prévenu. D'accord. Jaja, je vois que tu as déjà ton uniforme. J'ai faim. Laisse-moi aller te chercher de la nourriture. Pourquoi tu pleures? C'est juste que je me rappelle des membres de ma famille. Ta famille? Oui. Mon mari, mon fils et mes trois filles sont partis. Ton fils? Où sont-ils partis? Ils ont voyagé. Ils ont voyagé? Très loin? Oui. Ils sont allés voir Dieu. Dieu? Oui. Ah bon? Très bien. Allons que je te remette ta nourriture pour ne pas que tu arrives en retard. Allez, je reviens. Hey, venez ici, vous tous. D'accord, monsieur. Qui a fait ça? Dites-moi qui a fait monsieur, ça. Monsieur, monsieur, je sais qui c'est. Jaja. C'est Jaja. C'est Jaja. C'est Jaja. Hey, salut, Jaja, viens par ici. Salut. Je dis de venir par ici. Viens par ici. Tous les autres, retrouvez vos classes. Compris, d'accord, monsieur. Monsieur. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Okay. Allez. Jaja, viens par ici. Pourquoi
pourquoi as-tu décidé de te rendre inutile? À l'âge de 28 ans, tu continues de jouer avec les enfants de la classe de CE1. Et ils sont même plus astucieux que toi. Regarde ta vie. Quand vas-tu prendre conscience que cela ne va pas? Dépêche-toi d'aller en classe, avant que je ne me fâche. N'importe quoi. Allez, va vite en classe. Et aussi vous tous. Rejoignez vos classes maintenant. Allez, dépêchez-vous. Et plus vite. N'importe quoi. Gare à celui que je reverrai hors de sa classe. J'aurais pu t'écraser, espèce d'imbécile! Quoi? C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, qui es-tu, toi? Un vieillard? Dans un uniforme de primaire? Mais qui es-tu? Je te parle maintenant, c'est quoi ton nom? Tu es un véritable merdeur, toi! Je vais te donner une claque, tu verras! Allez, dégage d'ici, va chez ta mère, là. Rapidement. Allez, dégage de ma vue, petit. Dégage d'ici, toi. Qu'est-ce qu'il me veut? Entrez! Entrez! Madame, je suis venue vous rappeler votre dîner. C'est prêt depuis 2 heures. Je suis encore occupée. Madame, vous pourrez continuer le travail après le dîner, s'il vous plaît. Je suis occupée. Je suis désolée, madame. Je suis désolé. Il ne peut pas continuer dans cette école. Il y a des écoles spéciales destinées à ce genre de personnes. Ce n'est pas possible, Madame Adogo. Monsieur, il n'y a pas d'école de ce genre dans ce village. S'il vous plaît, accordez-lui un peu de temps. Je crois qu'il s'en sortira. Je vous en supplie, oh. Faites-moi cette dernière faveur. Ce n'est pas une question de faveur. Ceci est une école et non un hôpital psychiatrique. Psy, mon dja n'est pas fou.
Depuis que j'ai perdu la totalité de ma famille, j'ai toujours désiré avoir l'occasion d'adopter des enfants. Dieu qui a vu mes bonnes intentions a bien voulu me donner Djadja. S'il vous plaît, pour son propre bien. Je vous en prie. Mais Madame Adaogo, vous ne savez même pas où il est né. L'endroit d'où il vient. L'endroit où il va aussi. Vous ne pensez pas que c'est un gros risque en essayant de faire un tel mystère? Je suis convaincue qu'il est envoyé de Dieu. J'ai vu de mes propres yeux. Je vous supplie maintenant au nom de Dieu. Je vous demande pardon, monsieur. Je vous en supplie, monsieur. Ayez pitié du petit. Très bien, levez-vous, levez-vous. Pour cette toute dernière fois. La toute dernière fois. Vous pouvez y aller. Oh, merci beaucoup, monsieur. Levez-vous. Oui, les enfants. Comme je l'ai déjà dit, il y a 10 pommes vertes dans un panier. Et 7 autres pommes mûres dans un autre panier. Si 4 pommes mûres et 2 pommes vertes sont retirées des paniers, combien de pommes restera-t-il dans les 2 paniers? Si vous connaissez la réponse, dépêchez-vous de lever les mains. Oui, Jaja. Combien de pommes reste-t-il dans les paniers? Si tu connais la réponse, viens au tableau. Et mets la bonne réponse là. Ici. Dépêche-toi. Écris la bonne réponse au tableau. Prends la craie. Et écris la réponse au tableau. Prends la craie. Écris la réponse au tableau. Continue à travailler. Continuez. Écrivez. Donne-moi la craie. Donne-moi la craie. Mets-toi là. Mets-toi à côté. Très bien. Ceci est la bonne réponse. Correct. Oui, c'est correct. Tu sais, la prochaine fois que tu oses faire la même chose, tu seras sévèrement puni. Quand vas-tu prendre conscience de ta vie? Ce n'est pas ta faute. Je connais le mystère de choisir un bon à rien comme toi. Maintenant, va chercher tes affaires et sors de la classe. Je dis allez, prends tes affaires et quitte la classe. Nulla. Hors de ma classe. Dehors. Ça suffit. Allez, on se remet au travail. Passe-moi le stylo. Hey, Dada!
Pourquoi mes amis refusent de jouer avec moi, me rejettent tout le temps? Mon Dieu, est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes, moi? Si tu m'aimes, alors rapproche tous mes amis de moi et ne les permets pas de se moquer de moi.
Ah, arrêtez-vous. Oui. J'aime votre voiture. C'est pour ça que tu m'arrêtes? Oui. Vous pouvez me déposer? S'il vous plaît. Aussi, démarre la voiture. Oui, madame. Oh. On aura tout vu. Hé, hey, arrêtez-vous. Mauvaise. Hé, hey, oh mon Dieu. Hé, hey, madame. Qu'est-ce que c'est? Il est fou. Je vais le tuer, cet idiot, maintenant. Hé. Hey. Je vais l'écraser, maintenant. Laisse tomber. Allons-nous-en. Mais quel idiot, ce type. Aïe, c'est son jour de chance. Aïe, vraiment. Oh. Hé. Hey. Mon fils, tu n'aurais pas dû jeter la pierre sur cette voiture. Hein? Si les autres ont quelque chose qui te manque, tu ne devrais pas être jaloux, envieux et vouloir détruire cela. Djadja, tu devrais plutôt travailler et demander à Dieu de te donner les moyens. Elle ne m'a même pas dit merci. Elle n'a même pas dit merci. Hein? Très bien. Qu'est-ce que je t'ai expliqué dans la Bible ce matin? Hein? Ne pas rendre le mal par le mal. Voilà. Alors, la prochaine fois que tu verras cette jeune fille, tu devras t'excuser. Tu lui diras, je suis désolée. Compris? Oui. Hein? Je voudrais te demander quelque chose. Comment tu m'appelles tous les jours? Maman. C'est juste. Cela fait de moi ta maman, n'est-ce pas? En tant que ta maman, tu ne devrais rien me cacher. À moi. Tu devras me dire tout. Toute la vérité. Compris? Alors dis-moi tout. Dis-moi exactement où tu vas te coucher chaque nuit. Dis-le-moi, hein? Dis-le-moi, fiston. Tu vois, pourquoi tu me demandes ça mon encore? Mon fils. La dernière fois, je t'ai dit de ne plus me poser cette question, non? Voilà que je me remets à pleurer. Je t'ai dit que je n'aime pas répondre à cette question, non? Laisse-moi, laisse-moi. Calme-toi, mon fils, s'il te plaît. Va me laisser, hey. Va me laisser. Laisse-moi, laisse-moi, Djadja. Laisse-moi. Djadja? Hey. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, dis-moi pourquoi nous sommes ici. Pourquoi ne pas se rencontrer chez toi? À ton bureau ou dans un autre lieu, mais je ne comprends pas pourquoi c'est toujours ici. Qu'est-ce que tu fais de cette relation? Mon cœur. On a toujours su faire face. Pourquoi tu te plains? Particulièrement maintenant que toi et moi allons vivre ensemble comme mari et femme. C'est exactement pour cela que je me plains. Parce que je ne veux pas que notre union souffre des incohérences de nos traditions, tu le sais. Chérie,
je suis responsable d'une école polytechnique. Et être la responsable d'une telle institution ne peut être moins occupé. Tu comprends? Chérie, ne t'inquiète pas. Quand nous serons mariés, alors tu seras ma priorité. La prochaine fois que tu vois cette jeune fille, va et présente-lui tes excuses. Tu lui diras, je suis désolée. Mais il est passé où? Hé, madame! Pourquoi m'as-tu fait attendre? Madame Oh, c'était ce même type. Ce nu-pied de garçon qui nous a lapidés. Ce gars-là, madame, je vous dis que ce garçon regardait mal la voiture. C'était pas clair. Il enviait cette voiture. Il n'est pas clair. C'est pourquoi j'ai couru après lui. J'ai couru. Mais je ne l'ai pas attrapé. Et tu aurais dû simplement l'arrêter et l'envoyer au poste de police? Mais madame, nous parlons de la même chose. Je l'ai poursuivi dans le but de l'attraper. Mais il s'est échappé. Ok, très bien, c'est bon. On y va. Compris, madame. Ok. Range-moi ta tenue. Oui, madame. Ouvre la portière. Merci. S'il te plaît. Adaogo, tu n'as pas à pleurer. Hein? Remercie Dieu que le mystérieux garçon soit parti. Oh. De toute façon, nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Il n'y a que lui, lui seul, qui sait le meilleur. Ce garçon est sans défense. Il y a sûrement quelque chose qu'il sait, qui le fait pleurer. Toutes les fois qu'on lui rappelle, sa famille ou encore son passé. Et c'est ce que j'avais essayé de faire quand il était avec moi, bien avant qu'il s'en aille. Bien, tu devrais remercier Dieu pour son départ. Adaogo, est-ce que tu sais que Dieu vient juste de te sauver de ce fantôme? Ah, n'est-ce pas toi-même qui m'as dit combien de fois tu as surveillé le garçon pour savoir où il se rend la nuit et qu'après quelques mètres sur la route, il avait disparu? Mais qu'est-ce qui va te faire comprendre que cet enfant est un fantôme si ce ne sont toutes ces choses que tu as vues? Hein? Quel que soit ce qu'il est, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est qu'il revienne, mon gaillard. Adaogo, maintenant je comprends que ce fantôme t'a possédé. Si ça te chante, promène-toi pour le chercher. Va le chercher et le ramener. Mes deux bras ne t'aideront en rien. Je vais y aller. Je vais aller à sa recherche. Oh. Mm-hmm.
Attends. Voilà. Regarde derrière toi. Ce fou là-bas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Regarde. Il va vers la voiture. Aussi. Aussi. Hein? Hé! Bébé, regarde, regarde! Hé! 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 Hé, hey, chef, je l'ai. Non. Chef, lâche-moi. Chef, venez vite. La ferme ou je te gifle. Tais-toi, stop. Tu voulais voler non. quoi? Non, conduisons-le à la police. Qu'est-ce que tu voulais? Dis-moi, parle. Madame, c'est de ce type-là que vous avez peur? Moi, non. Physiquement, métaphysiquement et spirituellement. Hé, hey, aujourd'hui, on l'a attrapé. On l'a eu. Dieu t'a puni aujourd'hui. Dieu t'a puni au... Ah. Ah, très bien. Ah. Amenons-le à la police. Maman, 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 à l'aide, à l'aide, à l'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? C'est Djadja. Ah, Djadja, où il est? Dis-moi. Je suis en train de le battre. Où? Quoi? Allons-y, allons-y. Oh, 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 mon fils Djadja, mon fils. Viens, maman. Mon fils Djadja. Dépêchez-vous, moi? S'il vous plaît. Madame, j'arrive. D'accord, madame. Officier. Qui es-tu, toi? Qui es-tu? Quitte-la. Maman. Je dis, dégage. Hey. Mon frère. Ma soeur. Qu'a-t-il fait au juste? Djadja, qu'est-ce que tu as fait? C'est cette femme-là. Oh, tu es la jeune fille dont on a parlé, n'est-ce pas? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, hein? Il n'est pas fou, cet enfant. Pas du tout. Il est juste venu te dire... Je suis désolée. Ce n'est qu'un jeune homme. Oui, il est âgé de 28 ans. Mais il a la mentalité d'un gamin. Un enfant innocent. Il ne sait pas du tout faire la différence entre le bien et le mal, vous savez. C'est pourquoi vous l'avez battu jusqu'à ce point. Et... Il n'est pas venu voler quoi que ce soit dans votre voiture. Il est venu inscrire cela sur votre voiture. Hein, madame? Vous pouvez aller voir. Je suis vraiment désolée. Hein? Partez là-bas. Regardez vous-même. Madame, hein? Vous êtes du même âge. Mais parce que tu es normal et tu as su donner un sens à ta vie. Malheureusement, il est resté ici. Vous comprenez? Au revoir. Il m'a tapé fort comme ça.
Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle, enfin? J'ai passé toute la journée à l'appeler. Et voilà que son téléphone est fermé. C'est une surprise. Plutôt que de te lamenter, tu devrais t'habituer à ça maintenant. Gladys, occupe-toi de tes oignons. Pigé, te mêle pas de mes affaires. C'est mon mariage, c'est pas le tien. Tu comprends? Très bien, désolé. Oh, chérie, je suis vraiment désolée, hein? C'est juste que tu n'as pas toute l'attention que tu mérites. Hein? Tu comprends pas son message? Quoi? Quel message? Elle voit un autre gars. C'est ce que font les femmes. Écoute, il y a toujours des mecs qui nous courent après. Mais il y a toujours un en particulier. Un mec spécial que nous suivons. Hmm? Assez, assez, c'est bon. Tu ne sais rien de ma Merit. Laisse-moi te parler d'elle. Compris? Ça, c'est sa nature. Je te dis que c'est comme ça qu'elle est. Depuis sa naissance, elle n'a connu aucun homme à part moi. Chex, je suis le seul homme de sa vie. Écoute, j'ai pas besoin de la connaître. Elle est une femme. Alors, je comprends. Écoute, j'ai de nombreux prétendants. Mais j'ai choisi de passer mon temps avec toi, tu comprends? Ah, si elle n'est pas là auprès de toi, mon chéri, c'est qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Hmm? Pardon, calme-toi. Oh. Je dois me rendre chez elle immédiatement. Si tu sors d'ici, je m'en irai aussi, je t'assure, tu ne me verras plus. Mais qui est-ce que c'est? Hey! Bonjour! Salut, bonjour, monsieur. Patron! Hey! Ozzy. Oui, monsieur. Bonjour. Chex, bonne arrivée. Dis-moi, Merit refuse de répondre à tous mes appels. Je te dis qu'elle a même éteint son téléphone. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ou bien avez-vous eu une dispute? Tu peux tout me dire, Chex. Oh, rien. Rien du tout dont je me rappelle. Chucky, du calme, ok? Oh. Merit est devenue si silencieuse depuis ce matin. Elle a refusé de parler à qui que ce soit, y compris les visiteurs. Hein? Même le repas qu'elle m'a demandé de cuisiner pour elle est toujours là et elle refuse de manger. Y a-t-il quelque chose qu'elle me cache à moi? En fait, je veux savoir ce qui se passe en vrai. Bien, ceci est l'un de ses comportements habituels. Bien sûr, tu dois savoir que cela fait partie de sa nature, hein? Mérite peut-être. Si indifférente quelquefois, tu comprends? Ouais. Est-ce qu'elle est couchée? Non, elle n'est pas à la maison. Elle est sortie en voiture il y a juste quelques minutes. Elle n'a même pas accepté qu'Ozzy la conduise. Elle n'est pas du genre à sortir. Je propose que vous alliez la chercher à votre lieu habituel. D'accord, Dima. Merci beaucoup. De rien. Hey, monsieur, s'il vous plaît, soyez vraiment prudent.
Vous savez comment madame est. Tu vas la fermer, retourner à la cuisine. Dégage. Bye. Lève-toi. Accompagne-le au lieu habituel. D'accord, ok. Pourquoi est-ce que je fais quelque chose de mal? Dis-moi ce que je fais de mal. Tous mes amis me rejettent. Partout où je vais, les gens se moquent de moi. Ils refusent que je les approche. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Ils disent que je suis différent d'eux. Il n'y a plus personne pour jouer avec moi. Les gens ne font que me frapper. Les enfants comme les personnes âgées. Les gens refusent que je les approche. Ils me traitent de bon à rien. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Quand je m'approche, ils s'éloignent de moi. Ils ne veulent pas de moi. Ils ne veulent pas de moi, mon Dieu. Mon Dieu, je veux venir te rejoindre. Oh mon Dieu, je veux être ton ami. Je veux mourir. Je veux mourir pour pouvoir te rejoindre. Si je vais au ciel, ils vont me laisser tranquille. Laisse-moi mourir. S'il te plaît. Dja-dja. Dja-dja. Tu n'iras nulle part. Les gens du monde te haïront aujourd'hui, mais les mêmes te célébreront un de ces jours. Tu dois avoir la force de toujours croire en toi-même. Ils disent que ma vie n'a aucun sens. Tout ce qu'il te faut, c'est de la détermination, de l'abnégation et de la confiance en toi-même. Dire non aux impossibilités avec une seule main. Tu as compris? Tu seras un conquérant. Tous ces moments sincèrement touchés, tu sais. Depuis hier, je ne fais que penser à cela. J'étais triste. Pardonne-moi, j'étais pas du tout de bonne humeur. Très bien. Mais tu ne devrais pas te laisser influencer par tout ce qu'on dit. Tous ces non-sens qu'elle a prononcés sont destinés à son inutile fiston, pas à nous. Chérie, si ce garçon a des problèmes mentaux, c'est qu'il est en réalité innocent. Mais cela n'est pas sûr. Cela n'est pas sûr. Je suis sûr que cette femme l'a tellement chouchouté qu'elle a fini par affecter son cerveau. En le rendant un peu fou, quoi. Tout ce qu'elle t'a dit hier n'était que des mensonges. Très bien. En parlant de ceci, cette bastonnade était plutôt sévère. Ce n'était que la récompense de ses mauvais actes. Oh, bébé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as pas de conscience? J'attends de toi que tu ressentes des remords et que tu présentes des excuses au pauvre garçon et à sa mère. Il le mérite, tu ne crois pas? Tu dis quoi? Présenter des excuses à ce sale idiot? Qui, à ce que je sais, s'apprêtait à vandaliser la voiture de ma bien-aimée?
Compris? Mon Dieu. Non. Je ne vais pas m'excuser auprès de ce bon à rien. Tu ne vas pas me demander de me rabaisser à ce point. Tu n'es pas en train de te rabaisser du tout. Il n'y a pas de mal à faire ce qui est juste. Ah, oh, et quelle est cette justice, dis-moi? T'excuser auprès de lui quand même. Moi? Tu es qui l'alpha et l'oméga de Budo? Prince héritier de Dumuru? Jamais. Jamais. Bonjour, madame. Excusez-moi, madame. Faites très attention. J'ai remarqué que depuis hier, madame n'a pas l'esprit tranquille. Je serai contente de proposer mes conseils, madame. Merci beaucoup, Dima. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je suis en forme. Merci, madame. Voici ma 28e année au service de la famille royale. Je suis très, très sûre de mes observations, vous savez. Très bien. Alors, comment expliques-tu une situation où un individu âgé de 20 je ne sais combien d'années possède la cervelle d'un garçon de 2 ans, ma chère? C'est incroyable, cette histoire. Vous devrez vous éloigner d'une telle personne parce que sa stupidité est assez contagieuse. Non, 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 rien à voir avec ceci. C'est plutôt naturel. Nous parlons d'un attardé mental, pas vrai? Oublie ceci, Dima. Très bien, madame. Je proposerai la psychothérapie. La victime devra être chouchoutée et traitée avec une extrême indulgence. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez-vous dîner? Je t'informerai quand j'aurai retrouvé mon appétit. Bien, madame. Dja, va te laver pour ne pas être en retard. Non, non, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui, non. Hé, mon fils, voilà plusieurs jours que tu n'es pas allé à l'école. Toute cette semaine, vas-y aujourd'hui, pardon. Si je vais, ils vont me frapper encore. Non, mon enfant, ils ne te battront pas du tout. Ils ne viendront même pas du tout à t'écouter. Mais ils vont se moquer de moi. Hé, ne t'inquiète pas, mon enfant. Personne ne se moquera de toi. Tu leur diras. Prenez garde à Dja. Si je vais, puis on me tue, hein? Oh, fiston. Je vais t'accompagner à l'école moi-même. Et comment je fais pour revenir à la maison? J'irai te chercher plus tard. Hein? Ils vont m'attraper. Ils vont m'attraper en route là-bas. Personne ne t'attrapera. Compris? Pas du tout, hein? Mais j'ai mal à la tête, ça me fait. Je traiterai ça quand tu auras fini de te laver. D'accord, Dja? Tu viens me chercher? Oui, oui, j'irai te chercher. À mon école? Oui, je viens te chercher. Très bien. Je vais me laver. Oh, mon fils, tu es un bon enfant. On y va. Allons-y. Mets ça là-bas. Allez.
Mais pourquoi tu t'arrêtes? Allons, je te suis. Jaja? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai terminé l'audit. Il faut que vous signiez ici et là. J'imagine que la directrice sera folle de rage contre moi pour avoir fini ceci très tard. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Étonnant quand même. Je pensais que vous saviez. Vous, son assistant. La principale directrice de la boîte n'est pas venue aujourd'hui. C'est depuis hier, j'ai dit. Alors, vous ou quelqu'un d'autre avez essayé de la joindre pour savoir ce qui est le véritable problème? Non, pas du tout. Parce que nous avons pensé tous les deux réaliser un audit ensemble quelque part. Ah, ça c'était une mauvaise supposition. Enfin, appelez-la pour savoir si elle sera à la réunion. Appelez-la. Vous êtes l'assistant spécial du directeur. Très bien, je vais l'appeler à l'intérieur. Très bien. Merci. Merci. Madame, vous m'avez demandé. Madame? Je suis là. Que fais-tu ici dans mon bureau? Vous m'avez... Allez, sors de là! Dégage! Stupide! Mademoiselle,
Quel est le problème? Pourquoi vous pleurez? Rien, monsieur, je vais bien. Mais vous semblez troublé. Soyez sûr, je vais bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu pleures? Rien, madame, rien du tout. Bonjour, madame. Oui? Et tu fais quoi ici? Je suis en réalité venu lui dire de vous informer de la réunion. La réunion est annulée. Passe le message aux autres et apporte mes affaires qui sont dans le bureau. Ouvre-moi cette porte. Oh. Tu ne peux pas le faire plus vite? Excusez-moi, madame. Allez, ouvre-moi cette porte. Oui, madame. N'importe quoi. C'est qui ce Jaja? C'est de la folie, ça. De la folie. Non, 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 non. Ce n'est pas croyable. J'arrive. Vous? Que faites-vous chez moi ici? Je suis désolée, madame. Je ne savais rien de son état. Hey! Merci, oh, de me rappeler sa condition. Mais vous savez quoi? Sa condition ne pose aucun souci. Merci beaucoup. Je n'avais pas l'intention de vous rappeler sa condition, vous savez. Je suis vraiment désolée. Les mêmes excuses, c'est ça? Que Jaja vous a présenté? Pourtant, vous avez failli lui ôter la vie? Vous devez avoir honte de vous-même. Pour venir ici avec les mêmes mots aussi. Une parole que vous ne pouvez même pas comprendre. Oh, madame, je reconnais mes erreurs. Je suis vraiment désolée. Je n'ai aucune rancune contre vous. Mais ce que j'attends de vous, c'est que vous rentriez chez vous. Je peux entrer? Dégagez d'ici. Dehors. Allez. Mon fils. Oh, est-ce que tu vas bien? Tu penses que je ne sais pas? Qu'est-ce que tu dis? Je sais tout. Oh, je ne comprends rien du tout de tout ce que tu racontes. Ah. Je suis au courant de tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh. Vous devez vous en aller maintenant.
Laissez-moi parler avec lui, puisqu'il m'a déjà vu, moi. Pas chez moi. Il n'est pas de bonne humeur. Hein? Ok. Ok. Je vais m'en aller, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de lui présenter mes excuses. Je reviendrai. Très bien. Oust, 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 oust. C'est pas là qui? Tu as vu quelqu'un ici? J'ai vu quelqu'un. Je suis surprise, car je ne parlais à personne. C'est ma dernière phrase que tu as entendue, hein? Bien avant que tu ne rentres ici. Mon fils. Mais tu avais dit que tu viendrais me chercher à l'école. Ah! J'avais oublié qu'aujourd'hui était vendredi et que l'école fermait tôt. Je suis désolée, hein? C'est promis, ça ne se reproduira plus. Allez, souris. Hein? S'il te plaît. Souris maintenant. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis fâchée. Je n'aurais jamais pu imaginer ceci. Je t'avais pourtant dit qu'elle voyait un autre homme. Toi-même, regarde ta fiancée, c'est une sainte. Et dire que c'est une princesse, elle fait quoi dans cet endroit? Une pauvre maison qui ne peut même pas être digne pour les esclaves de la cour royale. Elle ne sait peut-être pas qu'elle est une princesse. Écoute, Jax, plus vite tu sortiras de ce mariage, mieux ce sera. Je dois faire payer ce moins que rien. Celui-là même qui a eu l'audace, le culot, de se positionner face à moi pour être mon rival. Jack, s'il te plaît, essaie de rester calme. Parce que les pauvres sont plus dangereux que les riches. Oh, tu me l'apprends pas à moi. Je suis toujours calme. S'il vous plaît, ne me frappez pas. J'ai vu Merit sortir de cet endroit. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? De l'eau chaude ou quoi d'autre? Parce que je sais que toi, mon ami, tu ne peux pas faire ça. Quel genre de rapport tu as avec elle? Oh, monsieur, monsieur, pardonnez. Je vous en prie, je vais t'apprendre où est ta place. Sale bonhomme, tu verras. Vous la fermez, vous deux. Pitié. Écoutez-moi. Pitié. Je suis le grand-fils du roi de Doumourou. Je suis destiné. Moi, Jax, destiné à marier la princesse du royaume de Doumourou. Maintenant, si tu t'attaques à moi, si tu t'attaques à moi, ta vie se trouve au bout de mes doigts. Si je t'attrape à nouveau, je vais te tuer, toi. Tu verras. Maman, regarde, il est parti. Calme-toi. Bingo. Bingo, il me...
ça devient inquiétant. Et dire que j'ignore encore ce que mon boss traverse. Rappelle-toi de son fiancé qui se plaignait qu'elle ne répondait même pas à ses appels. Elle n'a pas également répondu à mes appels depuis lors. C'est pour ça que je m'inquiète vraiment. Tu es sérieux là? Tout le monde sait qu'elle répond à tes appels, même quand elle refuse de prendre les autres. Tu sais quoi? Juste annule la réunion à nouveau et donne l'information aux autres rapidement. D'accord, monsieur. Gladys, où es-tu? Où es-tu? Très bien, j'arrive. Merritt, je dois te dire la vérité. En tant qu'ami, tu en abuses là. C'est vrai. Quelquefois dans la vie, juste. Il faut faire quelque chose de fou. Pour échapper à ce foutu monde. Jaja est ton voisin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je vis. Jaja. Je mange. Jaja. Hein? Je bois. Jaja. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je découvre ce que j'ai dans mon cœur. Oui. Je te l'assure, ami. Ceci est totalement inacceptable. Pour l'amour du ciel, tu as oublié qui tu es? Qu'est-ce que Sa Majesté dira quand il apprendra que tu bois un mérite? Pas juste boire, mais te saouler dans l'un de ces immondes bars. Quoi? Sa Majesté. Sa Majesté. Qu'est-ce que Sa Majesté dit? Sa Majesté ne sera pas du tout surprise. Assez. Assez. Tu as assez bu, d'accord? Je voulais juste que tu t'amuses un peu, car je pensais que tu en avais besoin. Ma chère, mais là, nous rentrons même. Avant que tu ne crées un bazar plus important
et j'espère que tu peux marcher. Je vais bien. Nous rentrons, n'est-ce pas? Oui, nous rentrons. Chez vous. Madame! Allez, aidez-moi! Mais qu'est-ce qu'elle a? Attendez. Mais aidez-moi! Je n'arrive pas à la soulever. Madame, mais que vous arrive-t-il? Madame, que vous arrive-t-il? Qu'est-ce qui lui est passé? C'est elle-même qui a décidé de se saouler cette nuit. Conduisons-la à l'intérieur, s'il vous plaît. Allez, doucement, s'il vous plaît. Désolée. Madame, qu'est-ce qui a pu se passer? Doucement. Hein, madame, mais pourquoi tout ceci? Nkema, aidons-la à rentrer à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur? Madame, tout doucement. Doucement. Doucement, ok? Allez, on y va. Madame est complètement saoule. Je vais la suivre. Vous voir. J'arrive. Madame. Doucement, madame. Comme ça, madame s'est saoulée. Allez, doucement. Soulevons-la. Vas-y, doucement. Merci. Doucement. Oh mon Dieu, incroyable! Donc, madame est saoulée! Je dorme! Mes jambes! Madame! Venez, tout doucement, madame. Posons-la de ce côté-ci. D'accord. On y est presque. Attention. Doucement. Doucement. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je lui enlève ses chaussures. Je vous laisse faire. Va chercher les médicaments, d'accord? Plus vite, s'il te plaît. Ça ira. Te voilà. Le plafond tourne. Regarde. Essaie de te reposer un peu, ok? Ça va aller. Apporte vite les médicaments maintenant. Ça va? Juste regarde-toi. Tu devrais te voir détruire ta vie pour une femme qui se fiche que tu sois vivant ou pas. Mérite même moi. Elle se soucie de ma vie. Ok? Je ne sais pas pourquoi elle a décidé de changer, mais maintenant que notre mariage est proche... Tu n'as que ça à la bouche. Mariage, mariage, mariage. Dégage d'ici. Maintenant, dis-moi clairement. Alors, quel sera mon sort lorsque Mérite et toi serez mariés? Très bonne question. Très, très, très bonne question. Je deviendrai à plein temps un bon mari. Et un tout petit peu, très petit peu, playboy. Un tout petit peu. Alors, très peu de temps pour moi. Au moins tu seras de la très bonne.
Très bonne compagnie, tu sais bien de quoi je parlais. Bébé, j'en veux encore plus. Tu en veux encore plus? Eh bien, je t'en donne. Tu seras très bien servi. Oui, c'est bien à toi. La bicyclette, c'est à moi. Oui. À moi. J'ai un nouveau vélo. Pousse-moi, pousse-moi. Ah, je pousse comment? Dis merci à la dame. C'est elle qui l'a acheté pour toi. Non. Je ne veux rien venant d'elle. Je n'aime pas votre bicyclette. Dja-dja. Dja-dja. Vous avez vu son état, hein? Il est très fâché. Oh. Excusez-moi. Je sais que j'ai fait une grosse erreur. Comment j'étais supposée savoir que tu n'avais pas l'intention de faire des bêtises? Je suis venue m'excuser. Ok. Et si nous laissions maintenant le passé au passé? Je ne suis pas ici pour te dire que je suis désolée. Pas juste moi. Jack également est vraiment désolé et c'est promis. Plus personne ne va t'importuner encore. D'accord? Et si elle venait me battre, je fais quoi? Toi et moi, nous joindrons nos forces tous les deux et nous les battrons tous. Oui. Vous allez vous battre? Que si. Vous allez les battre? Bien sûr. Oh oui. Alors, nous deux, nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas? Oui. Tu es forte. Tu es mon ami. Nous sommes des amis. Allez. Ouais. Oui. Mon Dieu, c'est encore un rêve. Oh. Thank you.
Stop le véhicule. Hé, hey, voilà. Fais la passe. Hé, hey, donne-moi pneu. Donne-moi pneu. Donne-moi. Hé, donne. Hé, hé, hé. Donne-moi. Oh. Donne-moi pneu. Laisse-moi pneu. Laisse. Oh. Oh. Laisse. Laisse. Laisse-moi. Hé. Hé. Voilà. Joue ici, joue. Voilà. Hé, hey, mais fais la passe. Ici. Donne. Voilà. Attention. Je vais prendre la balle. Aïe. J'ai raté. Hey. Bonjour, Chex. Quel est ce jeu, Dima? Hein? J'essaie de joindre ma fiancée depuis 2 jours maintenant et elle n'est même pas au travail. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fiancée? Dites-moi. J'avoue ne pas le savoir moi-même. Une femme habituellement sérieuse, ambitieuse, concentrée et disciplinée comme mérite a changé du jour au lendemain. Elle a dormi ici cette nuit? Bien sûr que si. Elle est partie pour le boulot ce matin. S'il y a quelque chose, je vous dis, s'il y a quelque chose et que je découvre cela, Dima, et que je découvre cela, je vous promets que je vais vous le faire payer à vous deux. C'est moi, Chucks, qui vous dit cela. Ouvrez-moi rapidement ce portail, moins que rien. Madame. Quoi? Ce gars-là, il aurait dû être marié depuis. Toi, la commère, tu ne peux pas la fermer. Il est de sa responsabilité de prendre soin de sa fiancée. Ah. As-tu fini toute la vaisselle que tu faisais? Hé, hey, madame, je n'ai pas encore fini, j'y vais de Allez, ce pas. Allez, va vite me terminer ce que tu faisais. Plus vite! Entrez. Bienvenue, madame. Les clés. Hey, madame. Mais je suis censé vous conduire, madame. C'est mon choix. Ouvrez-moi le portail. Madame, Chuck s'est demandé après vous. Madame. Allô? Vous m'entendez, madame? Hey, je vous parle, madame. Hein? Hé, hey, madame. Madame. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle lui prend à la fille? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Hein? Pourquoi l'as-tu laissée conduire elle-même? Ah, c'est qu'elle a fait ça. C'est devant vous-même qu'elle m'a demandé les clés. Tu n'aurais pas dû les lui remettre. Et si jamais il lui arrivait quelque chose, mais hein? En quoi ça me concerne? La personne qui a la voiture me demande de lui remettre les clés. Je lui remets les clés et tu me demandes pourquoi je lui remets les clés? Ah, pardon. Stop-moi ça. Hein. Je ne veux pas me créer des problèmes à cause de ce petit emploi. Tu vois? Oh mon Dieu. Pardon, je ne veux pas d'histoire. S'il te plaît, apporte-moi mes lunettes. Mes lunettes. Elles sont où? Apporte-les-moi tout de suite. Ah!
Allô, Gladys? Ekema, comment ça se passe, dis-moi? Tout se passe à merveille en ce moment. Ils sont comme le chien et le chat. Tu as fait tout ce qu'on a dit, non? Croyez-moi, c'est parfait. Hein? Où sont les lunettes que je t'ai demandé de m'apporter? J'étais en train de chercher... Tu étais en train de les chercher. Allez, va me chercher mes lunettes pour moi. Mais fais vite! Salut les enfants! Salut, salut madame. Madame! Bonsoir, bonsoir! Bonsoir, madame. Madame! S'il vous plaît, où est Jaja? Jaja, il est là, madame! Est-ce que vous connaissez bien Jaja? Oui! Mais où est-il? À la maison, chérie! À la maison! À la maison! Les enfants, écoutez-moi bien. Tata a acheté une bicyclette pour Jaja. Donc, si vous voyez Jaja, dites-lui que Tata a acheté une bicyclette pour lui. Tata a dit quoi? Achetez une bicyclette pour lui. Répétez ça encore. Tata a acheté une bicyclette pour Jaja. C'est bien, les enfants. Très bien, merci. Continuez à jouer. Allez, bye bye. Bye bye. Au revoir, Tati. Bye. Bye. Bonsoir, madame. Bonsoir. Le dîner est déjà servi. Le dîner n'est pas Jaja. Ça ne va pas résoudre mon problème. J'ai préparé votre repas préféré. La seule chose que je préfère, c'est Jaja. Mangez la nourriture. Madame Dima, ça c'est un cadeau spécial pour moi. J'adore rouler les bicyclettes. Pourquoi ton crâne est si vide, toi? Hein? Je suis désolée, madame. Tu es désolée pour toutes ces folies? Qu'est-ce qui se passe? Bicyclette. Allez dehors. Madame, on vous a acheté une bicyclette. Oh, dégage-toi. Allez, roule-moi ce truc. Allez.
Oh. Vas-tu? Je me rends chez Merit. À cette heure-ci de la nuit? Elle fait tout pour m'éviter, cette fille. Le matin et même la nuit. Alors c'est le meilleur moment pour découvrir ce qu'elle me cache. Et qui va t'ouvrir le portail à cette heure-ci? Tu me poses la question? Dis-moi, évidemment. Je l'appellerai une fois là-bas. Alors, je viens avec toi. Quoi? Est-ce que tu as perdu la tête? Tu veux qu'elle sache que je la trompe? C'est ça? Elle ne te trompe pas, toi. Écoute, attends-moi ici. On se voit dès que j'arrive. Il est là. Allô, Ekema? Ekema, allô? Ah, tu m'entends? Allô? Oui, c'est moi. Écoute-moi, Chuck est en route pour voir Merit maintenant. Et il va appeler Dima. Je veux que tu retrouves le téléphone de Dima et que tu l'éteignes. Oui, rapidement, le plus vite possible. Tu entends ici? Je ne sais pas, Otanti. Pourquoi tu cries comme ça? Ah, je ne me rappelle pas être entrée à la maison avec toi. J'ai sauté la clôture. Et puis je suis venue jusqu'ici. Et puis je suis passée ici pour aller de l'autre côté et puis je suis venue par ici. J'ai ensuite ouvert la porte et tu étais en train de dormir. Ensuite, je suis venue sur le lit. Personne ne m'a vue. Non, ceci ne peut pas être un autre songe. Non. Tanti, mes amis m'ont dit que... Mes amis m'ont dit que tu m'as acheté un vélo. Alors, je suis venue pour récupérer ma bicyclette. C'est tout. Dis-moi,
Qui es-tu? Pourquoi es-tu si mystérieux? Je suis venue juste prendre ma bicyclette. Je ne veux pas être... Je ne veux pas... Tu ne dois pas me demander que je suis tantie. Où est ma bicyclette? S'il te plaît. Si tu ne veux pas me donner ma bicyclette, alors je m'en vais. Tu veux que je parte? Tu veux me la donner? Attends, est-ce que tu veux me donner? Hé, madame, il y a quelqu'un dans la chambre de madame. Hé, madame perroquet, ne me dis pas que tu as déjà fini le nettoyage. Madame, je sais ce que je dis, hein. Je suis vraiment sûre. Je l'ai entendu parler à quelqu'un, mais aussi je sais avec qui elle parlait. Mais je pense que c'était un homme. Ne sois pas pénible. Madame n'est pas rentrée hier nuit avec qui que ce soit. Et elle n'est pas encore sortie ce matin. Madame, suis-moi et viens voir. Hein? Tu sauras que je dis la vérité, oh. Non. Ce n'est pas possible. Madame n'a jamais fait venir ici un homme. Même pas Chuck, son fiancé. Tu n'as toujours pas répondu à mes questions, hein? Je ne comprends pas. Très bien. Ok. Où sont passés tes parents? J'en ai pas. Alors avec qui tu vis? Personne. Personne? Hein? Mais tu as une famille? Comme des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. J'ai pas de frères. Hein? Madame? Bonjour. Qu'y a-t-il? Tu veux quoi? Quelqu'un est-il rentré dans votre chambre hier soir? Excuse-moi? Qu'est-ce que c'est ridicule comme question? J'ai pensé que nous avons entendu des... Vous n'avez rien entendu. Remettez-vous au boulot maintenant. Jaja. 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 Chux, attends. Oh, Chux. Écoute, et si tu tenais compte de tous mes conseils? Je peux crier fort que Merit ne veut pas de toi. Tu sais, aller voir le roi ne fera aucune différence parce que tu ne fais pas partie de cette famille. Mon chéri, je veux que tu aies l'esprit tranquille. Gladys, si tu veux que j'aie l'esprit tranquille, tu devrais alors me laisser me battre pour sauver mon mariage avec Merit. D'accord? Forcer une femme à te marier est la façon la plus facile et sûre de finir dans la tombe. Écoute, Chex, comme tu le sais, je ne souhaite pas seulement que tu aies l'esprit tranquille. Je veux aussi que tu aies une bonne santé. J'en ai marre de ce serment maintenant, Gladys. Je vais voir le roi maintenant. Je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce que le roi t'avait dit quand tu as été le voir pour te plaindre au sujet de Mérite? Tu te rappelles bien que le roi t'a dit ce jour-là qu'il ne voulait rien du tout entendre au sujet de Mérite. Il ne t'a pas dit que Mérite n'est pas sa fille. Assez! Ah, assez. Qu'ai-je fait à Mérite?
J'aime Merit. Elle le sait. On sait tous où ça mène. Quand une femme sait qu'un homme est amoureux d'elle, mais choisit de le haïr quand même. Je sais que Merit m'aime. Je sais que c'est le cas. Je jure que qui que ce rival soit, qui que ce soit, je vais le... Je n'épargnerai pas sa vie lorsque je l'aurai en face de moi. Qu'est-ce que tu dis? Je peux tuer pour Merit. Jax. Regarde, et si tu oublies cette Merit? Ce qui est amusant, c'est que... nous avons passé la nuit ensemble. Et vous avez fait quoi? Rien à voir avec ce à quoi tu penses. Ok, bon. Je dois confesser que c'est vraiment fascinant d'être avec lui. Je t'assure. Oh, vraiment? Pas étonnant que tu agisses de la sorte. Bien. Très bien. Au départ, j'étais plutôt curieuse à son sujet. Petit à petit, je ne sais pas. Je suis confuse. Tu sais que je suis fiancée à Chucks. Pourtant, je me surprends à me plaindre, hurler, vouloir être avec Jaja. C'est de la folie. Non. J'imagine que c'est le sens du danger et de l'aventure. Oh, Goma, tu me connais mieux que ça, non? Tu t'amuses? Tu sais, je ne veux vraiment pas croire que tu sois amoureuse de quelqu'un dont le passé est un mystère. Tu vois? Sans oublier qu'il y a aussi le règne. Attends, tu ne l'as pas saisi? Ce sont les mêmes questions que je me pose moi-même. Les mêmes questions. Mais plus je fais tout pour rester loin de lui, et plus je me surprends à vouloir être avec lui seulement, passer du temps avec lui, c'est... Je ne peux pas l'expliquer. C'est... André. Bonne arrivée, madame. Merci. Oh, madame, un élève est passé demander après vous. Pourquoi? Il a dit que vous lui avez promis une bicyclette. Quel est son nom? Oh, mon Dieu. Oh, je ne me rappelle plus vraiment. Dieu, aide-moi. Jaja. Oh, oui. Jaja. Jaja, exactement. Jaja. Grand, oui. Peau claire, oui, oui. Plus âgé qu'il ne le paraît. Oui, et a-t-il dit autre chose, dis-moi? Il m'a dit qu'il reviendrait, madame. Il doit être à l'école. Excuse-moi, madame. Le portail. Attendez, madame. Personne ne peut s'intéresser à lui. Pas de famille, pas d'amis. Seule madame Adaogo peut adopter un tel mystère. C'est tout ce que je peux vous dire au sujet de ce Jaja. Non, monsieur. Je suis sûre que Jaja est humain. Ne soyez pas si sûre de vous, mademoiselle. Seul un fantôme a de telles attitudes. Alors vous voulez dire que je suis amoureuse d'un fantôme? L'amour est un sentiment. Vous êtes sous le charme, tout comme madame Adaogo l'est. Mmh.
Oh non! Monsieur, vous m'effrayez! Jaja est la chose la plus étrange qui soit arrivée dans cette école. Et en conséquence, il a été exclu de cette école. Dis-moi la vérité. Qui était avec Merit lorsqu'elle quittait la maison ce matin? Dis-le-moi. Elle est partie toute seule. Tu ne me dis pas la vérité. Dis-moi avec qui Merit était lorsqu'elle a quitté la maison. Elle est partie toute seule. Je veux la vérité. Excusez-moi, mais je ne suis pas aveugle. Bien. Tu ne veux pas me le dire? Eh bien, je vais le découvrir moi-même. Madame, pourquoi vous ne lui avez pas dit la vérité? Quel que soit ce qui se passe, Merit est toujours notre patronne et pas quelqu'un d'autre. Ah, madame, vous auriez pu lui dire. Toi, tu as perdu la tête. Les as-tu vus ensemble une fois? Ah, je l'ai entendu lui parler ce matin. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Quel que soit ce qui arrive, ok? Sache que Merit est encore notre patronne et non quelqu'un d'autre. Maintenant, retourne au boulot. Comment tu es rentré ici? Jaja, tu viens te coucher sur mon lit et tu t'en vas. Et tu disparais. Et alors? Qui es-tu au juste? Tu dois savoir, non? Qui es-tu? Tu me transformes progressivement en une épave. C'est mal de te démontrer de l'attention. Réponds-moi. Ça te fait quoi? Non, Tanti. Tu ne peux pas m'aimer. Crois-moi. Oh, je suis prête à prendre tous les risques pour mieux te connaître. Non. Oh. Dis-moi, c'est pour ça que Madame Adaogo est morte. Tu sais quelque chose sur sa mort? Hein? Dis-le-moi. Tu sais quelque chose sur sa mort? Réponds-moi! Et rapidement! Tu... Oh! 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 Oh!
Je ne vois vraiment pas pourquoi je ne peux pas dire à ses parents ce que leur fille est devenue, tu vois. Tu sais, écoute, tu seras bientôt un mari. Alors tu dois apprendre comment régler les problèmes de couple sans impliquer tes beaux-parents. Mais la situation est en train de m'échapper. Écoute. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et si on essayait cette idée maintenant? Oublie cela, ça ne marchera pas. Écoute, ça ne marchera pas, oublie quand ça. Quand vas-tu réaliser que j'ai des idées dans la tête, hein? Je ne cesse pas de te le dire. Mérite de voir un autre homme. Ouvre les yeux, Chex. Ouvre les yeux. Je suis désolé. Désolé. Ça fonctionne? Toi? Oui. Peut-être prochainement tu me croiras plus que tu ne la crois. Allô? Oui, Emeka. Dis-moi. Où est-elle? Quoi? Je te l'avais dit. Je veux partir. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Tu ne peux pas partir. On dit que l'amour est fou, oui. Oui. Je n'ai plus le contrôle de mes émotions ou de ce que je ressens. Je vais écouter ce que dit mon cœur. Même si je dois mourir, je l'accepte. Ce n'est pas du tout de ma faute. Je ne veux pas que tu meurs. Je t'aime bien. Tu m'aimes bien, moi? Oui. Tu m'aimes bien? Tu as tué une femme qui t'a supporté et qui t'a nourri jusqu'à ce jour. Qui a donné un sens à ta vie. Tu l'as tué, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je sais. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Où est-il? Hein? Où est-il? Je dis, où est-il? De qui parlez-vous? Approche. Viens. Je te dis de venir. Viens. Dis-lui que je l'ai à l'œil. Et toi aussi. Dit, mais tu ne m'as pas écouté. Un individu si mystérieux et bizarre, qui peut se permettre de te dire que c'est une dangereuse personne? Oui, tu es toujours amoureux de lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Au moins, comme tu le sais, tu es en train de vivre une relation avec un fantôme ou probablement un fugitif. Ogoma, tu as peut-être raison avec tes hypothèses. C'est de cette manière que quiconque aurait réagi. Ah, mais si Jaja a fait quelque chose de mal, alors c'est l'un de ses méfaits
qui a permis que nous soyons ensemble. La meilleure des choses chez ce garçon ne sont pas ses méfaits. Je commence à bien réfléchir sérieusement à ce nom. Dja-Dja, ça pourrait être un surnom. Dja-Dja le tueur. Ouais, ce garçon est un fantôme. Non. Non, il n'est pas un fantôme. Au plus profond de mon cœur, je suis convaincue qu'il est un être vivant. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui t'est arrivé? En présence de toutes ces nombreuses preuves, tu continues de douter. Mérite, laisse-moi te poser une question. Quelqu'un qui peut s'introduire dans ta maison, dans ta chambre, et ensuite disparaître sans aucune trace. Tu veux d'autres preuves, c'est ça? Mon amour pour lui est une preuve contre toutes les suppositions. Hein? Je n'avais jamais été aussi amoureuse auparavant. Et je ferai vraiment tout mon possible pour saisir cette opportunité. Alors, où est-il actuellement? Bonne question. Alors, faut l'oublier, mon ami. Oh, comment faire pour l'oublier? J'ai beau essayer, je t'assure, mais je n'y arrive pas. Ah, je ne fais seulement que m'intéresser à lui. Ah, j'ai beaucoup pitié pour cet homme. Ah. Oh, oh. Tu sais quoi? Mérite. Je pense que tu n'as besoin de personne pour te conseiller, toi. Fais ce que bon te semble, compris? Oh. J'ai fouillé dans toute la maison, mais je ne l'ai pas vu du tout. Dis-moi seulement que tu ne connais pas ton boulot, parce qu'une source fiable m'a dit qu'il était dans cette maison juste après qu'on ait parlé au téléphone. Écoute, un tel bon à rien ne peut pas être plus rapide que toi, un professionnel quand même. Pas de souci, cette fois-ci, je vais assurer le coup. Ce mariage avec Merit est la plus importante des choses pour moi. Tu comprends? Je ne veux pas de tes histoires, pas d'assurance. Tes assurances sont vides pour moi si tu n'assures pas le coup. Tu as ma parole. Tu n'auras pas fini tant que ce moins que rien ne sera pas étendu par terre étant mort et que son sang sera en train de couler, tu comprends? Très bien compris. Aïe! Hé, hey, aussi dis-moi. Madame, mais où c'est quoi encore le problème? Hein? Regarde ce côté-ci. Aïe! Je suis sûre qu'elle est allée se cacher quelque part. Ah. Madame, vous avez vu la patronne? Elle n'est pas dans sa chambre et nulle part dans cette maison. Hey. J'ai cru qu'elle était revenue assez tard dans la nuit. Ozzy, hein? Ozzy, tu n'es que bon à rien. Moi? Tu ne peux même pas nous dire où se trouve ta patronne. Alors que la conduite partout est pire ton job. Hé, hey, mais vous étiez là, non? Hein? Madame me demanda de donner les clés. Et moi, j'ai donné les clés. Hein? Mais pourquoi c'est moi que vous accusez? Tu n'es pas supposé attendre qu'elle revienne à la maison avant que tu ne partes. Hein? J'ai attendu, oh. J'étais là. Madame m'a klaxonné. J'ai ouvert le portail. Madame est venue garer sa voiture ici. Sa voiture ici. Alors j'ai dit, madame, bonne nuit. Madame, au revoir. Madame, tu dis que j'étais dehors. Madame, je suis très, 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 très sûre du plus profond de mon cœur. Je suis très sûre que madame a dormi dans cette chambre. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu ne sais que manger massivement et dormir comme si on te payait pour somnoler. Et toi aussi. Hein? Si les parents de madame apprennent que leur fille a disparu à cause du chauffeur insensé qui ne connaît rien de son boulot. Ozzy, Ozzy, tu ne trouveras pas du tout la paix, tu verras. Hé, madame, tu as fouillé dans les toilettes? Hein, toilettes? Oui. Pour? La patronne. La ferme. Madame, si tu fouilles les toilettes, tu vas voir, si tu vois, et dans la cuisine. As-tu perdu la tête? Si tu ne sais pas ce que tu veux dire, tu la fermes. Venez ici. Elle est là. Hé.
Hey. En es-tu sûr? Hey, hey, je vous l'avais dit. J'étais sûr que j'avais vu madame. Oh. Hein? J'étais sûr. Hein? Tu vois, tout le temps, vous êtes en train de m'insulter. Toujours, vous m'insultez. Allez, hein? Allez. Allez maintenant. Allez. Hey, allez. Allez-vous-en. Ouais, c'est ça. Hey, madame. Madame. Hé, madame. Ah. Oh, mon Dieu. Madame. Madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je vous ai cherché partout dans cette maison. Hein? C'est quoi tout ceci? Oh. Je commence à en avoir marre. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Tout ceci doit prendre fin. Laisse-moi passer. Oh. Ça doit s'arrêter, tout ça. Oh. Aïe, aïe. Ah. Doucement. Ah. Tu as vu ce que j'avais dit. Elle veut me créer des problèmes. Je lui ai dit que j'ai vu madame de mes propres yeux. Je sais que madame a dormi ici. Je vais aller à l'intérieur pour avoir les détails. Tu vas dans la cuisine, tu as compris? Cuisine. Ok. Ne m'oublie pas, hein. Le reste de la cuisine. Hey, imagine-moi dans une tenue royale. Hey. Chucks, Chucks, c'est de la folie. Ça ne tourne pas rond dans ta tête. Tu es fou. Chucks, arrête de te foutre de moi, ok? Ça ne va pas. Ça ne tourne pas rond chez toi. Tu es vraiment stupide, toi. Espèce d'insensé, tu es fou. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, juste? Reviens là-bas, tu as perdu la tête ou quoi? Je te laisserai pas faire. Est-ce que tu vas me laisser passer? Que vas-tu me faire? Fais attention à toi. Que vas-tu me faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Cette maison n'est plus assez grande pour nous contenir. Quitte cette maison, car je connais mes problèmes. Écoute-moi. Écoute, allez, vas-y, allez, dégage. Tu entends? Tu viens de provoquer le diable et je te promets, toi, que tu vas le regretter. Après tout ce que tu viens de me faire, quand tout sera fini, ah, je te promets que tu regretteras tellement cette femme que tu te plais tant à appeler ta chère amoureuse. Crois-moi. L'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour? L'amour, vraiment? T'es sûr? Écoute, je t'ai payé. Je t'ai engagé pour le business, ma chère. Gladys, pour le business. Ce business ou diable dont tu parles est terminé. Alors, s'il te plaît, dégage de ma maison. Va-t'en. Okay. C'est terminé entre nous. Tu es sûr de ça? Va-t'en, allez, dégage. Va-t'en de cette maison. C'est moi que tu traites comme ça, hein? Écoute-moi. Laisse-moi te dire une chose. Rira bien, qui rira le dernier, je te le dis, Chuck. Et toi, Chuck, je te jure, où est-ce que tu vas? Remets mes bagages à l'intérieur, dépose-les là où tu les as trouvés. Oh, ma chère Gladys, sache que je t'ai payé pour tout le plaisir qu'on a eu, tout ce temps passé dans mon lit. Oh oui, bébé, sache-le, je t'ai payé, toi, pour tout ce temps. Maintenant, ce contrat qu'il y a entre nous, il est terminé. La seule chose qui te reste, c'est de t'en aller. Oui, Gladys, va-t'en, dégage, va-t'en d'ici, allez, vite. Tu fais quoi avec mes bagages? Allez, sors d'ici. Vas-y, jette-les dehors. Dehors. J'attends que tu me jettes dehors. Arrête, ne me touche pas, tu commets une grave erreur. Sors d'ici. Je t'assure, tu vas me le payer. Très cher. Espèce de sorcière. Tu es malade. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu es devenu simplement fou. Chucks. Chucks. Chucks, ouvre-moi. Tu verras. Tu ne perds rien pour attendre, toi. Tu verras. Bonjour, madame. Bonjour, Dima. Comment était ta nuit? Bien, merci, madame. Et la vôtre? Très bien. Le petit déjeuner est prêt, madame. Après, je t'en prie. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, Emeka. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Madame, je vous sers? Oui, juste un peu. Merci.
Pas de quoi. Madame, permettez-moi de vous dire que vous êtes très très belle, madame, ce matin. Oui. Et c'est agréable de vous voir ici. Je veux dire, je dois avouer, mon cœur est rempli d'une grande joie quand je vous vois. Je te comprends parfaitement bien, tu vois. Je suis à nouveau moi-même. Oui, madame. Oh, mon Dieu. Ok. Mon gars, je t'appelle plus tard. Je suis à mon bureau actuellement. Ozzy. Je t'assure, mon gars. Ozzy. Allez, passe ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mets ses affaires dans la voiture. Où est madame? Tiens ses affaires d'abord. C'est quel problème avec ça? Je me suis levé ce matin. Je n'ai pas encore vu madame. Je ne l'ai pas vue. Et tu me dis que je dois porter ses affaires dans la voiture? Pardon, ne me cherche pas d'histoire. Tu as compris? Oh, madame, bonjour. Bonjour aussi. Tu vas bien? Madame, je vais bien. Oh, comme je vous ai vu, madame. Merci. Donne-moi les affaires de madame. Regarde-moi. Je dis regarde-moi. Tu n'es pas mon fiston. Pas celui avec qui j'ai rompu les liens. Je t'avais dit, toi, de rester loin de ma famille. Mais tu as refusé. Je vais te tuer, toi. Si ta mort te permettra de rester loin de ma famille, je te tuerai. Occupez-vous de lui. Allez, dépêchez-vous. Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour tous les inconvénients que cette réunion d'urgence vous a causés à vous deux. Je voudrais que nous puissions discuter et trouver les solutions pour mon récent comportement. Excuse acceptée? Oui, madame. Acceptée. Acceptée, madame. Mes partenaires, merci beaucoup. Ok. Je suis très contente de vous deux. Alors, et si nous commencions par... les salaires et les rapports? Oui, madame. Concernant les salaires, ils ont été payés il y a de cela 2 jours. Oh, j'ai carrément oublié. Secrétaire? Oui, madame. Prépare les fiches de paie. Et toi, informe tout le personnel que les paies seront sur les comptes dès que possible. Très bien, madame. Alors, vous deux, allez me traiter cela et merci beaucoup pour votre coopération. Merci, madame. Merci, madame.
Bébé, je veux m'excuser pour mon irrationnel comportement envers toi et aussi notre relation. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai juste soudainement été obsédée par quelque chose que je ne peux même pas expliquer. Je suis désolée. Très bien. C'est arrivé et c'est passé. Content de te retrouver. Ah, ok, merci. Merci beaucoup d'être si compréhensif et affectif, mon cœur. C'est tout ça l'amour, chérie. C'est tout ça l'amour. Je ne t'avais pas vraiment protégée auparavant. Alors, comment vas-tu? Bien. Avec ce nouveau développement, j'irai certainement encore mieux. Et j'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit. Je m'excuserai auprès de Jaja. Non, bébé, s'il te plaît. Mary, tu vas bien? C'est bon, je vais bien. Je ne veux plus entendre ce nom autour de moi. S'il te plaît. Très bien, chérie. Je suis désolé. Je te promets de ne plus prononcer ce nom. Encore moins quelqu'un d'autre, promis. Je suis désolé. Ah, ok. Bébé. Oh, Gladys. Oh. Alors, Gladys? Oui, bébé. Comment vas-tu? Je t'avais pourtant dit que c'était terminé. Ouais. Mais je me suis dit que certains sujets sont mieux traités face à face. Très bien, très bien. Ok. Donne-moi une minute. Gladys Njay, c'est terminé entre toi et Njox Ndi. Héritier de Dumwedo, c'est terminé, finito, fini. Ok, très bien. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu fais de notre bébé? Quel bébé? Celui que tu as, heureusement, déposé dans mon ventre. J'imagine ta réaction. Tu sais bien que je n'ai aucune idée de ce que tu dis là, vraiment. Gladys, pardon, je t'en supplie, arrête de me gâcher la vie. Stop. S'il te plaît, c'est terminé. Comprends-le, va-t'en. Ok, ok, c'est comme tu veux. Mais tu n'as rien dit à propos de notre bébé. Ce n'est pas un problème. Dehors. Dehors. Je suis désolée. Écoute, tu ne seras pas la seule personne à qui je vais en parler. Elle est une femme, tout comme moi. Alors j'imagine qu'elle comprendra. Hein? Attends, Gladys. Essaie de me comprendre. Je t'ai tout raconté au sujet de Merit. Alors qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai. On s'assoit. Au lieu de mentir à Merit, pourquoi tu ne te focalises pas sur celle-là même qui porte ton bébé? Tu sais bien que je ne peux pas. Tu sais tout sur Merit et moi. Nous allons nous marier, tu le sais bien. C'est fini. Tu le sens?